parce que c'est surtout en Kondongo, c'est grâce à eux que moi j'ai pu découvrir ces chansons parce que j'étais encore tout petit. Mais pour parler de l'homme, moi je vais parler de l'artiste qui a fait découvrir une zone, la zone de Banga. Parce que lorsque vous êtes à l'extérieur et qu'on vous dit la pirogue de Banga, la première question que les étrangers vous posent, where the exact place Banga? Are you come from Banga? Quand par exemple vous dites que vous êtes Camerounais, s'il ne vous parle pas de Samuel Eto'o, bon, celle que moi j'ai rencontré dans la gare, il vous parle que, are you come from Banga? Et la question, quand vous essayez de comprendre pourquoi les étrangers vous posent cette question, c'est parce que cette chanson a été longtemps jouée par un groupe d'étudiants camerounais qui, c'était une chanson, c'était l'hymne. Chaque fois que quelqu'un réussissait un examen dans les couloirs, les concierges s'en plaignaient, ça c'est à Bremen, parce qu'ils jouaient ça à répétition et c'est comme ça qu'on a commencé à s'interroger sur l'artiste. Mais maintenant, ces choix ont amené à ce que, même pour en parler, parfois certaines personnes avaient peur. Ouais. Oui, même pour en parler, certaines personnes avaient peur. Et Vicelet, ça va peut-être vous surprendre, mais comme vous êtes un vieux de la vieille garde, mais peut-être pas. Dans la discothèque de Feu Manu Dibango, qu'on va célébrer dans un an, il y a également les chansons de Manu. Et c'est grâce à Robert de Brazza que j'ai su qu'il y avait ces chansons, parce que ces temps-ci, il a une émission qu'il présente chaque dimanche, où il présente tous les classiques de ce que Manu Dibango traitait et mettait en avant. Quand vous voyez quelqu'un comme Manu mettre la pyro dans sa playlist, ça veut dire que c'était un monsieur à respecter. Alors, Lapureau également, ce qu'on retient de ce grand Lapureau, au-delà de son engagement, au-delà de ses chansons, c'est aussi son style vestimentaire. Et il se raconte qu'il a énormément participé à la vulgarisation du jean, c'est-à-dire qu'il est arrivé avec du jean d'Exroy et ces années-là, ça marchait bien pour lui. Donc, une pensée pour le repos de l'âme de Lambeau Pierre Roger, dit Lapureau de Manga, décédé le 16 mars 2014, alors qu'il avait 57 ans. En notre hommage, un petit arrêt également pour avoir une pensée pour un autre grand chanteur de la